Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit, yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. Vlog et ben voilà, dernier match les frérots, c'est le dernier match après finito pipo. Voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, le match, qu'est-ce qu'on entreprend, qu'est-ce qu'il va avoir sur la chaîne YouTube, tout ça. Ben il n'y a pas de secret, hein, on va être au plus près de vous, on va tout vous dire. Et puis ça c'est intéressant, vous risquez d'être surpris dans cette vidéo-là. Du coup ça me fait plaisir juste de la partager avec vous. Vous, quand ça arrêtez vos matchs, qu'est-ce que vous allez faire en tout cas pour cet été et autres. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à rejoindre avant qu'on commence notre chaîne Discord où on parle de tout, de tout. D'ailleurs si tu veux progresser dans le dribble, il y a un forum, il y a écrit dribble. Il y a tout le monde qui en parle de leurs soucis, par exemple, ou des trucs bien, ils partagent leurs idées et autres, ça peut être sur le shoot et tout ce que tu veux, donc n'hésite pas aussi également à profiter des moins 50% qui sont déjà inclus dans le programme, d'accord, Dunk, donc si jamais tu veux lâcher des gros tomards pour cet été et choquer tout le monde, c'est le moment, let's go. Alors juste avant que tu comprennes, déjà qu'est-ce qu'on a fait début de semaine, début de semaine les gars, on a fait des affiches, hein, voilà, à savoir que je m'occupe des affiches du club, alors principalement, hein, c'est les affiches pour notre équipe, voilà. Ensuite, quand il y a des événements au club, je fais aussi également des affiches, donc ça c'est grave cool. Et puis maintenant, on est plusieurs, d'accord, sur la com du site, donc ça c'est encore mieux parce que tu vois, par exemple, quand je joue et qu'il faut afficher un résultat, je peux pas le faire, je peux pas tout faire, donc ça c'est bien qu'on soit plusieurs. En tout cas sur ces affiches là, comme là je peux t'afficher, je suis toujours bien actif sur ça et ça, je kiffe juste faire ça. Je voulais juste vous montrer parce qu'au début de semaine, j'ai taffé sur ça et ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà. Après on a eu, je suis content aussi, j'ai pu faire ce que je voulais, donc une intervention, enfin un événement avec les EHPAD, donc les EHPAD de aux alentours de chez nous, que ça soit Arbois, Salins et Poligny, voilà. Et du coup on a fait les EHPAD avec les enfants de notre club, donc vers les U11, donc ça c'était vraiment cool et enrichissant parce qu'on avait vraiment des personnes en mobilité réduite et fallait s'adapter, donc c'était plus des petits jeux et tout ça, des jeux entre l'enfant, la personne âgée, justement des petits jeux comme ça de basket où fallait juste viser, il y avait du sourire, donc franchement j'étais content. On avait plus de 35 personnes âgées et plus de 11 ou 10 enfants, donc voilà, c'était cool, bonne journée, on a bien rigolé, bien dansé, donc ça c'était pendant ma semaine. Ensuite on a fait du basket dans des écoles, donc voilà, pareil, on essaye d'aller faire du basket dans des écoles, essayer de faire connaître notre basket, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite en termes de physique, qu'est-ce qu'on a fait début de semaine, dès le dimanche en fait j'en ai été à la salle, on a travaillé, il me semble, si je me trompe pas, le haut du corps. Ensuite le lundi on a fait le bas, et ensuite le mardi, on a fait quoi? Le mardi, on a fait étirement mobilité. Ouais, étirement mobilité parce que ça commençait à tirer le mardi. Et du coup, le mercredi, là, on a refait, mais les deux, donc le haut et le bas du corps. Donc voilà, et du coup, c'était une séance un peu plus longue. Et puis après, jeudi et vendredi, on a relaissé, on n'a rien fait là. On avait besoin de repos pour le match là, malgré que les jambes, on les sentait bien lourdes. Voilà. Donc là, en tout cas, on va pouvoir plus se focus sur plus long dans la semaine au niveau de notre programme. Donc ça, c'est bien. On va le suivre ça à la lettre parce que comme vous le savez, les objectifs vont changer, ok, là vous voyez ces vlogs là, mais vous verrez que bon, il y a des nouveaux trucs qui vont arriver et on va pas, voilà, bref j'en parle pas plus, mais des nouveaux objectifs vont arriver, donc ça c'est très cool et je pense que vous aurez le plaisir de suivre ça avec moi et voir comment je mets tout en œuvre pour réussir mon nouveau objectif. Ensuite pendant la semaine il y a également un moment où j'étais très frustré, pourquoi, parce que vous savez comment c'est, hein, je pense que la plupart vous vivez dans les clubs, les on-dit, les machins. On perd le match et puis il y en a qui disent, soi-disant, bon oui, certains joueurs auraient fait exprès de perdre pour ne pas monter, chose qui est aberrant, qui est n'importe quoi. Et du coup, voilà, petite chose comme ça qu'il fallait remettre bien parce que c'est important de mettre ça au clair, hein, quand vous avez des petits soucis, de pas laisser traîner des choses aussi sur vous, hein, qui peuvent être carrément fausses, hein, parce que surtout que quand on se bat là, comme vous avez vu ce combat qui était de revenir des croisés, de s'entraîner tout le temps, tous les jours, plus que les autres pour en vouloir plus.
Bah ça forcément c'est jamais très agréable. Donc voilà, il y avait ce petit truc. Donc là vous êtes vraiment au cœur de ma semaine, comment ça s'est passé ma dernière semaine et autres. Voilà, donc on a parlé de tout ça, on a fait tout ça et puis là vous allez découvrir mon vlog tout simplement. N'hésite surtout pas à liker, t'abonner et puis d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. La petite cloche qui te réveille au cas où si voilà, si t'as oublié qu'il y avait la vidéo qui était sortie. Surtout que voilà, bon. Et là, les gars, sans plus attendre, on va tout simplement entraîner les enfants. Voilà, là, on va entraîner les enfants. C'est le jour J, c'est le dernier match. Aïe, aïe, aïe. J'espère que les genoux vont tenir. Les gars, comme vous savez, je vais pas vous dire tout de suite. Je vais pas vous dire tout de suite, mais en tout cas, les gars, là, on va au match. Voilà, on va éteindre tout ça. Et puis, voilà, enfin, on va pas au match, on va... à l'entraînement des enfants. Ce qui est important surtout les gars, c'est d'aller chercher l'élastique parce que vous savez, il y a encore quelques petites tensions pour la cheville et ça serait bête de... Oh, j'ai vu les clés. Ça serait bête de se blesser pour le dernier match. Donc là, on va libérer un petit peu de tension. Je suis venu bien plus tôt à la salle. Donc là, voilà. Hein. Comment tu vas? T'es prêt? Ah, ça c'est bien. T'as bien déjeuné? Oui. C'est bien. Tu vas chercher... On va chercher les ballons? Allez, go. Tu viens voir. T'es là ce soir au match? Non. Non, mais comment ça se fait? J'ai pas vraiment le temps. T'as pas le temps? Non. Bon, tu vas couper du bois? Non. Non, je pas sais là. Rien. Tu sais pas. T'es une boum. Ouais. Voilà les ballons. Let's go. Les élastiques pour la tension des chevilles. J'ai les petites tensions un peu, j'ai les petites douleurs qui vont pas. Je fais ça, juste 2-3 petits trucs, hop, ça va mieux. Chaque personne est différente, hein. Chacun a un problème différent. Si ça agit peut-être pas à Paris sur les autres, mais en tout cas, moi, ça me fait du bien. Salut les loulous. Ah, c'est là la caméra. Alors, nouvelle vidéo, les gars. Ouais, donc les gars, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, bon, petite préparation de Jimmy. Voilà, il fait ses petites jambes. Il fait du hand, voilà. Ça, c'est sa technique, faire du hand dans le basket. En 13, voilà, hand fit, très important. Voilà. Ok. Allez, attends, dis, mélange-le bien, mélange-le bien. Et tu dois le faire en fermant les yeux. Voilà. Là, il y en a qui arrivent, ils regardent comme ça. Ok, et t'es là, prêt? C'est pas possible. Allez. Tiens, vas-y, mets chrono, toi. On met le chrono. Un, go. Voilà. Là, Timéo, I9. Il va nous faire. Il a visé le jaune. Merci. Ça mon gars, t'emmènes ça en boîte de nuit, t'as des copines de partout. Hein. Tu peux m'apprendre? Moi aussi. Oh, oh là là. Bien joué. Bien joué, chef. Antoine. Jean-Pierre. Foucault. Yes. Maintenant, on va faire un petit dégradé. Ouais, mais... Mi. Oh. Petite chiquette de mort, là. Hein? Voilà. Toi, tu te régales? Allez, tourne-toi, princesse. Tiens. On voit pas le trait. Bah, par contre, on va falloir se raser, là.
Oui, bah oui. Voilà. Non, mais oui, je vais ressembler, tu sais, à lui, voilà. 16. Bon, c'est début. C'est à moi. T'as pas l'impression qu'on t'attend là? C'est à moi. T'es parti faire quoi? T'es avec Bayou. Oh, tu comptes choper par quoi le bat? Ouais. T'es avec Bayou. Ah, t'es allé au Chinois, sans nous le dire. Al Bayou, c'est ça? T'es allé au Chinois? Non, non, en vrai, t'es allé où? En vrai, t'es allé où? J'étais à Muscu. Poussé un petit peu. Poussé un petit peu, voilà. Tu fais gaffe. Allez, c'est à mon tour. Tu mets un bol, un saladier. Ouais. Et tu fais les contours, quoi. Tu tournes autour, comme ça. Ah non, mais tu vois, ça sert pas assez. Donc ça sert un peu plus. Bah oui, c'est pas, sinon tu peux pas faire les contours. Bon, okay. C'est un contrat de coiffeur du club. Hein. Ouais, voilà, de toute façon, l'année prochaine, je suis coiffeur. Dans le caleçon de Jimmy. Ah, bah c'est beau ça, c'est blagueur là. Ouais. Vous faites des blagues depuis combien de temps? Bon, on va tout capter. Voilà. On se détend bien les muscles. Comme ça, les muscles sont bien détendus. Après, ça va sauter. Tiens, là, je te parle. Là, faut que je boive de l'eau. Voilà, là, c'est juste, faut sauter. Là, faut aller chercher des sauts. De toute façon, la jambe, je vais te montrer. La jambe est prête, hein, je te le dis. Voilà, déjà, cette jambe-là. Voilà, il n'y a pas. Celle-là, encore plus. Alors que celle opérée. Voilà, pas d'excuses. Les jambes sont prêtes. Ah, oui, je sais, je t'ai pas vu. Mais t'es avec toute la famille. Bon, gros, oui. Dernier match. Oui. Ah, ça te fait quelque chose le dernier match ou pas? Boutine. Arrête, pense au match oui, déjà. Oui, le dernier match, là pour le coup, celui-là, il me fait quelque chose. Ah, ça te fait quelque chose? Oui, surtout celui-là. Pourquoi? Parce que nous allons pas dire ça en caméra. D'accord. Nous allons en off. Non mais oui voilà, non mais c'est intéressant, dernier match il fait beau, petit soleil, enfin voilà. Là je suis prêt quoi, la caméra elle est là, voilà, là, on a tout installé, c'est pas moi qui ai installé, mais en tout cas voilà, je sais où est mon numéro. D'accord, hein. Et est-ce que, pardon, oui. Moi ma question c'est, est-ce que tu ressens quelque chose là au niveau de ton tatouage? Oui, parce enfin que derrière, juste derrière. Rien. Ah mais tu vois pas, hein. T'as des trucs, t'as des papillons ou je sais pas. T'as quelque chose? Non, t'as rien? Non, parce que je peux supporter l'échec, parce que nous échouons tous chacun quelque chose. D'accord. Mais je ne peux pas me permettre de ne pas avoir essayé. Voilà. Et. Bon, là, on va le voilà. Non, mais je tiens à noter. Donc voilà, c'est pour te dire qu'en gros, fais. Voilà, n'aie pas peur et tu verras bien ce qui se passe. Ça, c'est. Voilà. Ça, c'est Jimmy tout craché. Tout, voilà, exactement. Tout, comment dire? Jimmy tout craché, oui. Oui, c'est bon. Ouais. Oui, ça fait plaisir, hein. En tout cas, voilà, je vais être honnête. Ouais, bah tu rentres à mon caleçon par contre, Puma, hein. Oui, bah hey, sûrement, attention, on va prendre ma voiture et les clés d'appartement que je te passe. Enfoiré. Je ficherai pas un peu de ma tête. Bon, et toi? Moi? Alors moi, bah j'ai rien à dire. Ah oui, mais ça va, François? Tu es toujours bourré, toi? Ouais, non. Par contre, j'ai ce qu'il faut pour l'être. Ah. Bon, ça, c'est le dernier match de notre François, les frérots. Ça fait quelque chose, là, on fait des petits discours. Ça fait quelque chose ou pas? Là, c'est vraiment le dernier match. Hein. Ah, c'est le dernier des dames. Ouais. Là, même pour toi, c'est vraiment le dernier. Bah, c'est le dernier. Ta carrière, elle est finie, là. Elle est finie. Combien d'années de basket? 25. Tcha! Putain! J'ai même pas encore 25 ans! J'étais pas né, je jouais déjà. Ah, ça, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, ouais. Putain. Ouah. Non, 25. Ouais, mais attends. J'ai envie de vous dire que les gars, ils finissent sur une carrière où ils donnent toujours. Ouais. Ça va, j'ai envie de dire juste ça. Ça, c'est vrai. On va voir ce soir. Lui, ça a dormi. Ça a dormi. Mais ça ne dort plus. Ah, voilà. Ça s'est réveillé. Parce que là, c'est l'été. Ah oui, c'est l'été, oui. Oui. Il était une fois sa coupe de cheveux. Voilà. Tonton, le Labrador. Là, j'aime bien, là, pour oui, j'aime bien. J'ai bien coupé. Contré. Là, la derrière là. Il quitte pas sur du dunk, il quitte sur des rafales à 3 points. Voilà, on va changer le filet après le match. Il n'y a pas la petite table là pour mettre le... Alors là, je crois qu'on nous l'a piqué. Pourquoi le 4? Le c'est 4, quoi l'histoire? Parce que 4, le delta, ouais. Le 4, c'est un triangle. Delta, le triangle, l'équilibre. Après, il y a 4 côtés. Et le triangle. Un triangle à 4 côtés. Ah non, mais il n'a pas compris. Et le triangle. Le triangle c'est le delta aussi hein. Et le triangle toi l'équilibre. Là tu vois direct, dès que je suis sur un pied, j'ai un certain équilibre que les autres n'ont pas. Ah Hugo, ok, je suis choqué. Ah, c'est vrai. C'est vrai ou pas ça? Ouais. Tu penses qu'il raconte des conneries ou c'est la vérité? Non, c'est vrai. C'est vrai? Bah oui. Il te l'avait déjà dit. Let's go.
I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. Début de match, c'est parti, l'entre-deux, là on prend le ballon, on attaque directement fort, hein, même pas, je sais pas combien de secondes qui sont passées, voilà, il y a 4 secondes, on a déjà marqué, donc ça c'est cool, fallait attaquer, là je réattaque directement, j'essaie en tout cas, bon, c'est un peu compliqué d'aller marquer sur un panier comme ça, j'ai pas mis, mais derrière il y a mon gars Joe qui marque, donc ça, ça fait grave plaisir, ici, bah là, j'arrive à voir cette faute, ici on passe le ballon à François, François, vous verrez, François et Ludo, c'était vraiment très émouvant ce match-là, parce que c'était leur dernier match, voilà, parce qu'ils partent en retraite, voilà, retraite. Donc cool en tout cas d'avoir fait ce dernier match avec eux. Là on va au rebond, vous allez voir qu'on n'a pas hésité sur les rebonds encore, on a été bien présent ici, shoot, regardez, hop, on se bat encore au rebond, on est toujours ici. Bon bah alors par contre ça n'a pas été mis, mais on se bat quand même, voilà, donc ça c'est ok. Là il est bien dans l'axe, il ressort son ballon côté extérieur, il met François, il a été très adroit, il a même pas hésité, ça a dégainé. Ici on essaye de reprendre le ballon, défend fort là tout terrain pour essayer d'avoir le ballon, de faire une petite pression, chose que j'arrive à faire, donc ça c'était très cool, très positif en tout cas. Shoot ici, donc à 0 degré, on se bat pour encore un rebond, on tire direct, c'est pas mis, donc ça c'est relou, vous savez quand vous êtes juste en dessous du panier, mais c'est pas grave, au moins on est là, on est présent, c'est important. Là j'attaque fort, il y a faute apparemment, mais je pense que l'arbitre est pas bien dans les fenêtres pour voir ça, mais je pense qu'il y avait rien. Voilà, ici, on leur sort à 0 degré, ils sautent sur le joueur, on essaye pour aller au rebond, d'enlever les mains parce qu'il y a des bons bras costauds, j'avais du mal à passer, mais on s'en est sorti quand même. Là, ici, quand il y a une attaque, ici, voilà, ok, j'ai réussi à l'avoir, tant mieux, très bien, ce qui me permet d'avoir mon lancer franc derrière que je mets, comme il y a eu N1, là, il y a un shoot encore, on va au rebond, on se bat, derrière, j'essaye de le relever hein, pour pas le laisser là, puis en fait, on galère à... Je galère à le relever. Ici, shoot de notre Antoine. Antoine qui met son 3 points. Pam, direct sans hésiter. Il prend le ballon. Donc ça, c'est cool. C'était un peu dangereux, mais il l'a mis. Donc ça, c'était très bien, très content pour lui. Là, je loupe. Je n'hésite pas à retourner à mon rebond. Je finis par terre. Donc on donne le ballon. On essaye de prendre de l'espace. En tout cas, là, t'as notre François. Il est là. À l'opposé, il y a des solutions. Il essaye d'en créer une, Ludo. Mais voilà, ça finit pas parce qu'il y a une faute. Mais c'est de lancer. Ici, hop, il attaque baseline. Il me tire. Ça rentre dedans. C'est très bien. Ici, il fait une feinte. On va tous s'écarter, savoir si, parce qu'on pensait qu'il allait attaquer. Derrière, il crée un shoot. Donc, c'est très cool. Ici, passe à notre François. Qui joue, donc il a la faute, pareil, donc N1, donc ça c'est très cool, très positif, il la rejoue ici, il va dans l'axe, très adroit en bas, d'accord François, voilà, je vous reviendrai sur ça après. On a là le Joe qui fait une passe dans l'axe directement, boum, c'est marqué, voilà, et là, les gars, les 3 points, il a dégainé, là il arrive à passer facilement, il la met, donc là à l'opposé, ça a tendance à fermer, donc à l'opposé, il fallait proposer solution, là on est au rebond toujours. On ressort ces ballons-là, on réattaque, boum. Oula, j'ai eu de la chance là de pas perdre le ballon. Il attaque l'axe. Là, il roll. Non, il pick and roll. Ouais, il pick and roll. Ici, donc shoot encore. Il va au rebond. Il va à son propre rebond. Voilà. Ça, faut toujours bloquer son joueur. Quand votre joueur shoot, bloquez votre joueur. Ne le laissez pas. Ne regardez pas que le s'il marque ou pas. C'est très important. Ici, on essaie d'attaquer l'axe. Il reste plus de secondes. Donc voilà, fallait tirer. Donc c'est bien. On est devant, mais sans trop. Hein. Voilà, là. Oh, il a fait une bonne feinte. Il a bien sauté. Il a bien pris sur ça. Il a fait un bon petit shoot pour notre Ludo. Ludo, oui. Ici, on attaque, hop, on essaye de... Là, on donne le ballon en bas, j'essaye de me battre encore pour le rebond, pas besoin, c'est mis dedans, on attaque fort baseline, je dégage la balle à l'opposé, mais j'ai une faute avant, shoot là de Kevin qui n'a pas mis, je récupère son rebond, donc parfait, j'attaque encore là, là que je vois qu'ils sont deux sur moi, donc on lâche en bas, donc ça c'est cool qu'il est coupé, là j'arrive, hop,
petite capuche, bing là. Je remercie mes gars, donc les U15 et U13 et tout ça, et le COP qui sont là, qui sont là à encourager toute l'équipe, ça, ça fait plaisir. Et moi, je kiffe les voir, je kiffe voir les enfants que j'entraîne sur le côté, voilà, parce qu'on sait pas pendant combien de temps on sera encore là, donc voilà, vaut mieux en profiter. Ici, on les relève, regardez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Là, j'arrive pour le flotteur, je le vois tomber, donc je regarde même pas mon panier, et puis pour pas retomber sur lui, et puis après, je regarde ce que je crois que j'allais louper, mon faute, j'ai mis, donc tant mieux, hein. Tant mieux, et après, on les relève. Ici, j'attaque, il défend bien le 5, il a bien défendu, j'en ai deux, donc il faut relâcher directement, hein. Quand vous voyez que vous en avez deux, vous prenez pas la tête, c'est-à-dire qu'il y en a un tout seul, il tire, c'est pas mis, je reprends le rebond, j'y retourne, et voilà, sachant qu'à la base, c'est ma force, hein, les rebonds de base, hein. Et après, c'est que je me suis de plus en plus éloigné des rebonds avec ma blessure, mais maintenant que je me sens bien avec tous les programmes et tout ça qu'on fait, voilà. Shoot de Kevin. Donc c'est bien un bon petit 3 points, sachant que c'est son truc. Là, il arrive pour essayer d'avoir la faute François. Il n'a pas eu. Là, hop, j'ai fait fin de shoot. Je lance à François parce qu'il était très adroit tout le long du match. Donc voilà, faut récompenser. Ici, ouais, il attaque, il la met direct. Hein. Là, il réattaque Kevin, il crée une solution. Ça attire du monde. Shoot encore pour François. François qui met dedans. Donc franchement, François, il était on fire. On fire, bro. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ici, là, hop. Ouais, là, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, mais en tout cas, c'est dedans. Hein. Voilà. Ici, ça joue écarté. On va la donner en bas, voir ce qui se passe. Il regarde derrière Joseph, il regarde partout. Hop, extra passe pour moi, ça shoot, boum, c'est dedans. Ah, je suis content du coup. Je remercie encore mes gars qui viennent m'encourager. Ici, pareil, deuxième action. Bon, bah voilà, je suis dans le corner. Hein. Je me fais un petit peu discret. Des fois, je me fais discret, des fois moins. Tu vois, j'essaye de varier un peu mon jeu. Après un dunk, un 3 points, on remet un petit 3 points. Ne dites pas que c'est de la chance, hein, hein, je vous permets pas. Je ne vous permets pas, les gars. Et voilà, là, le sac, il me pousse bien correctement. Mais il a raison, faut se battre pour ça, pour ses rebonds, en tout cas. Là, hop, ça ressort sur François. François qui dégaine. Et là, il met pas. Hop, le petit bras de Ludo qui fait plaisir. Mais François, il re-shoot, il se prend pas la tête et ça rentre. Donc voilà. Mais oui, ça rentre, c'est dedans. Bon, chose positive, hein, tu vois que ben, François et Ludo, c'est leur dernier match. Pourquoi leur dernier match? C'est la retraite. C'est la retraite, les gars. Ils ont à peu près plus de 35 ans pour les deux, il me semble. Et du coup, ben voilà, ça tire sur les articulations. On peut aller plus loin après. Sauf que quand t'as une famille, quand t'as plein de trucs que tu construis à côté, bah, t'as pas forcément le temps pour tout ça. D'accord? Donc voilà, et puis c'est un choix. Et en tout cas, ben voilà, moi, quand je suis arrivé à Poligny, il y avait Ludo, François, j'ai connu en tout cas depuis le début. On avait d'autres aussi, le CERM, on avait le coach Vincent, voilà, voilà, il y a des choses qui bougent, ça va bouger, c'est bien, il faut du mouvement aussi, c'est comme ça, c'est la vie, les gars, puis voilà, c'est un peu triste, mais c'est en tout cas aussi joyeux, parce qu'ils ne partent pas forcément sur une blessure, ils partent sur une fin de carrière comme ça, c'est plutôt cool, voilà, on aurait bien aimé la montée, on est très déçus, derrière, ben voilà, c'est comme ça. Comme je vous le dis, moi je suis pas à m'attrister de quelque chose, à être trop joyeux de quelque chose. Je reste neutre, c'est ma façon d'être. Voilà. Derrière, j'ai pas regardé les classements ni rien, mais on peut regarder sur ce, on va regarder ensemble. Ici, on passe, regarde, si tu regardes, on est trois à être ex-aequo en points. Et en fait, ça se fait au niveau du, je sais pas. Ça se fait au niveau. Je sais pas, au goal average, au niveau des points, des matchs gagnés, tout ça. Mais en tout cas, voilà, si tu remarques, un troisième ex-aequo. Donc, si tu veux, on peut se dire, on est premier. Voilà, on est premier ex-aequo. Premier ex-aequo, ou deuxième ex-aequo, troisième ex-aequo. Avec les, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Salin derrière, comme je vous ai dit. Là, c'est cool. Nuit Saint-Georges, qui était mal parti au début, mais qui sont bien revenus. Ceux qui descendent, ceux qui étaient tout en bas, la Curgie, Coteau, en tout cas, ouais. Chenauve qui sont 12e. Là, ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé? On a Salin qui a gagné contre Estarar, Montmoreau qui a gagné contre la Grêle. On a l'Ouest Lyonnais qui gagne. La chose bien, c'est que là, je retourne au rebond. Donc, ça veut dire que je retourne à mon prime. Non, ça veut dire que. Parce que là-bas, je retournais pas trop au rebond. J'avais peur de retomber sur les pieds, de faire les croisés et tout ça. Donc, il y a plein de peurs qu'il faut évacuer petit à petit. Et là, ils repartent. Donc, ça, c'est cool parce que le rebond, c'est une des grosses qualités que j'avais. Et que. Ici à Poligny, on n'a pas forcément pu voir exploiter, donc ça c'est bien. On va vous mettre, je vais vous partager mes vidéos tout simplement de ma saison, ce que je vais faire aussi l'année prochaine, ça quand j'en serai,
je vous dirai, je vous partagerai aussi ça, quels seront mes projets également, je vais vous partager, je vais vous proposer aussi mes athlètes, tout simplement, de la saison aussi, et puis voilà, donc ça c'est les prochaines vidéos qui vont sortir, donc reste bien actif, hein, parce que Deltaloid, ce n'est pas fini, la chaîne sera encore en train de vivre, ne t'inquiète pas, voilà, ne t'inquiète pas, il y a toujours des solutions, peu importe, même si on met des bâtons dans les roues, comme on peut dire, mais ne t'inquiète pas, je serai toujours là, ça, tu peux en être sûr, et c'est important, si je faisais ces vlogs, que vous le sachiez, c'est parce que tu vois, on n'a pas tout le temps des retransmissions de nos matchs en live, et la maman qui n'est pas là du tout, et la sœur aussi qui manque énormément, bah, elles sont contentes aussi également de voir le vlog, ce que je fais de mes semaines, aussi également comment se passent les matchs. Donc, c'est aussi une façon pour moi de partager avec eux et d'avoir encore ce lien-là. Voilà, donc c'est pour ça aussi que le vlog, je suis très content de les faire. Et voilà, tout simplement, au moins vous le savez. Voilà, et je vous partagerai tout de la suite de ce qui va se passer. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce dernier vlog où il y avait beaucoup, beaucoup de dunks par contre. Là, je tiens à dire, mais bon... Quand tu taffes bien et que bon, t'as le bon programme, il n'y a pas de secret, j'ai envie de te dire. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. Allez les gars, à la prochaine vidéo. C'était Deltaloid. Juste pour vous dire, passez une bonne semaine et à la prochaine. You call me a god. You call me a god.